L'association et la nouvelle icône de la mode viennent nous en parler. Isabelle Goetz et Zaya sont les invités du Grand Journal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous deux. Bonsoir Natacha, bonsoir Jean-Michel, regardez-moi Karim, bonsoir. Très talentueuse, alors j'étais vraiment ravie de le rencontrer. C'est parti des nombreuses stars. PETA, c'est une association de défense des droits des aides. Et alors, la spécialité de PETA, ce sont les campagnes choc. Il y a cette cause. Alors avant vous, il y a eu des stars américaines, hollywoodiennes, Pamela Anderson aussi. Non, pas du tout. Les saucisses anglaises, ça, mais bon, une bonne côte de bœuf. Au contraire, je suis meilleure qu'ancien. Au Stade de France, il y a quelques jours. Oui, on avait un stand de... Alors dites-moi, pourquoi avoir choisi Zaya plutôt que, par exemple, Émeric Caron, qui est un végétarien convaincu. Une mauvaise personnalité. La bonne personnalité, c'est la personnalité qui ont des émotions, qui sont capables de ressentir la douleur comme nous, et qui sont envoyées à l'abattoir, et qui sont dépecées parfois, alors qu'ils sont encore conscients. Façon. C'est-à-dire, est-ce que réellement vous pensez que le message porté par des personnes qui ont beaucoup d'influence médiatique, et pas seulement en France, mais aussi à faire réfléchir, et ça fait quand même 2 jours qu'on en parle partout sur la dimension économique de l'élevage industriel, la dimension en même temps culturelle. D'ailleurs. Mais ce n'est pas que ça, PETA. C'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est la communication et le marketing. Mais vrais militants qui militent et qui travaillent très dur. Il y a des enquêtes qui sont faites dans les élevages. Moi, je peux vous dire aussi qu'on envoie quotidiennement des communiqués de presse avec... Derrière tout ça, derrière...